Encouragé à cause de l'éducation. L'éducation ne veut pas dire non, mais jamais. Il y a beaucoup qui n'ont pas réussi à apprendre de cette vie. Mais moi, je trouve beaucoup de chrétiens méprisent. Il y a une bonne raison qui, ici, au nom de Jésus-Christ, lui fait un démence pour cause gros créole. Amen. Amen. Pour toutes les personnes sont capables de comprendre. Et même un nani, même un daddy, c'est qu'il est capable de comprendre. Et vous pensez qu'au nom de Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans les bases plus élémentaires d'un chrétien. Beaucoup de fois, nous sommes capables d'être chrétiens, mais nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Amen. Mais il n'y a pas de problème si vous ne connaissez pas. Au nom de Jésus-Christ, Dieu pour aide-nous pour nous faire comprendre toutes les choses. Pense la grâce. Amen. 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 Dieu donne-nous la sagesse pour nous faire comprendre cela. Nouvelle de la Bible avant. Et puis nous pouvons aller à le comprendre. Et vos pensées, vous cassez sa message selon le Saint-Esprit guide-moi. Amen. Si Saint-Esprit dit moi presque 3 temps, vous dites vous écoutez. Si il dit moi presque 20 minutes, vous écoutez. Si il dit moi presque 7 temps, vous ne pas connaître. Au fait, moi, je bateau la voile au milieu de la mer, je ne pas pour faire un anime, je juste écouter ce qu'il y a dans la politique. Amen. Et nous sommes capables de guider, mais pour garder le principe, pas rien à cause de Dieu, 3 temps, on trouve un qui est un peu riche ça que tu veux. Non, non, non. Amen. Nous servons de sagesse. Dieu, tout ce rendez Dieu donne la sagesse. Amen. Amen. Et le petit descend, il y a 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Nous pourrions lire, et nous pouvons faire une élaboration, et puis nous pouvons étudier ce sujet-là, tigit pour tigit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Amen. Guette ton camarade, dit le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Pour faire une récapitulation, tout ce qui nous fait faire ce qu'a l'air, nous croire dans la Trinité, nous croire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous finissons expliquer comment la Trinité était de 3 personnes dans 1. Amen. Nous finissons aussi comprendre que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en nous. Une récit comprend jusqu'à l'heure comment le Saint-Esprit habite en nous, c'est à travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Dieu, Dieu, merci pour ce parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je louer toi, papa, je exalte toi, je glorifie toi, Seigneur, Dieu, bénis ce moment qui nous vous passe, nous conseille ton peuple. Seigneur, dans vous-même, vous pas capable, mais vous visez toi beaucoup cet esprit dans ce moment-là. Holy Spirit, I plead the blood of Jesus Christ over my mind, over my thoughts, dans cette atmosphère-là, il me commande. Et tout ma pensée négative, vous liez ma pensée négative. Mon blocage, mon découragement, Seigneur Dieu, dans ce lieu. Et ce soir, Seigneur Dieu, vous priez, Seigneur, m'amène. Tu m'as pensé captive à l'obéissance de tes paroles. Lord, mets tes paroles dans la bouche. Et qu'il est capable comme le feu. Et le peuple qui peut écouter, Seigneur Dieu, papa, comme le bois qui est consumé, Seigneur Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour voir tout doucement, et next week. Moi, je mettre là le slide pour ce cas, on prend. Aujourd'hui, nous vous savez qu'on ne pas si aujourd'hui nous comprenons tout cela. Mais nous parlons tout doucement. Comprendre la personne du Saint-Esprit. Next. Mets-toi. Comment servir nos oreilles spirituelles? Comprendre la voix du Saint-Esprit. Et comment pour augmenter nos capacités boutonnes du Saint-Esprit. Amen. Nous vous savez qu'on ne ça pas aujourd'hui tout. Mais c'est moi qui vous prends bout par bout pour nous capables de comprendre. Et tout ce qu'il nous peut dire, nous gardons un principe et je connais nos gardes de principe qui nous peut établir toutes les choses sur la parole de Dieu. Amen. Nous pas cause non ni en dehors la parole, nous pour stick to the word, nous pour rester sur la parole, pas oublier qui dans sa dernière temps a beaucoup dit nous pour détourner la parole. Vous êtes la même? Tout ce qu'on a dit, nous pour prendre une ruse du diable. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, tenez-moi bien. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Satan dit à Jésus, jette-toi. Car il est écrit qu'il m'a un ange pour venir en pistolet ta contre un pierre. Le diable connaît la parole. Si nous, nous bisons en plus connaissance que le diable. Vous êtes d'accord? C'est ça qui est important. Vous prenez notre exemple, pareil comme de ce dernier temps, il peut dire nous comme cela. La grâce permet de faire ce qui nous envie. Mais oui, Dieu pardonne le pécheur, mais aussi la Bible qui sans la sanctification, nul ne verra le Père. C'est-à-dire nous avons une connaissance plus que le diable sur la parole. Et comment nous pouvons gagner ça? Il y a un seul quelqu'un qui enseigne nous toutes choses. Il écrit, nous parle. C'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous finissons tout cela. Aujourd'hui, nous pouvons
élabore une petite chose. Moi, doucement, je vous lis un verset de la Bible. Pour nous capables de comprendre, pour tendre du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez dit, tendre. Et vous pensez, beaucoup d'entre nous, quand je donne ça, je dis ça, waouh, nous soif pour tendre de Dieu. Amen. Combien de monde soif pour tendre de Dieu? Amen. Moi, tu peux lever la main au tout là. Parce que c'est ça, c'est nos récits. Gagne sa route-là, nous la vie sans oser. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. À cause de ça, qu'il ne faut pas pour presser, pour prendre tous les temps doucement, doucement, nous pour aller, nous pour établir au nom de Jésus-Christ. Mais la première chose qui nous besoin de comprendre, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Je suis d'accord avec vous. Quand on lit les dieux, nous devons comprendre aussi qu'il n'y a pas une chose, ni une colombe, ni un divan, ni un diffé. Amen. C'est le, la personne même, il y a un démon. Il y a quelqu'un qui est dans le sentiment. Il y a quelqu'un qui nous a blessé. Parce qu'à l'air, nous, tout nous connaît, qui nous, Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment sensible. Amen. Nous pouvons guetter maintenant. Quand il y a quelqu'un qui est vraiment sensible, il y a une petite chose en tant qu'un trait, en tant qu'un trait d'une personne, qui est capable d'entendre. À cause de ça, qui, quand nous prions, nous ne connaissons pas qui nous prions, le livre de Romains, chapitre 8, qui dit nous comme cela, il intercède pour nous parce qu'il fait ça un moment qu'il nous peut prier. Là, nous pas, il peut demander comment nous peut prier. Il prend nous la prière, c'est un qui nous appelle pour des soupirs inexprimables de parler en langue, qui nous peut venir dans ma semaine à venir. Il aide nous pour nous capables de prier. Amen. Mais il y a une autre petite chose qui m'a dit à cette affaire. Donne-moi bien. Le Saint-Esprit trouvé. Amen, amen, amen. Vous êtes qui fait la main de certaines dimons, vous êtes lité pour recevoir le Saint-Esprit, pour cause d'un terme général. Mais le Saint-Esprit trouve quelque chose qui est dans eux. Il n'y a pas quoi habite d'une place qui est quelque part pas convenable pour lui. L'y trouver. Mais mon vie aussi, aujourd'hui, nous pouvons lire un verset de la Bible, faire eux comprendre qu'il y a une personne l'y tendait, il y a un sentiment l'y trouver, et lui aussi l'y causer. Nous pouvons être clairs, nous venons de la Bible aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Nous venons de la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 13. Jean 16, 13. Moi, courant, je termine cette Bible. Et bien, nous gardons un petit principe du bon qui m'a pour tout le temps dit à moi. Pour moi, vous causez pour moi causez pour eux. Quand je trappe la Bible, un fait une page, je trouve la parole qui pénètre mon liquide plus. Quand surtout, moi, si je vous ouvre mon portable, parce que je vous trouve dans la Bible, mon portable. Si je vous donne une place inaccessible avec mon Bible, je une référence, je envie de lire mon carnet. Mais c'est moi tout le temps, ça papier. Amen. Mon courageux. Et longtemps, tu peux gagner honte pour soigner la Bible. Parce que longtemps, c'est vraiment difficile. Le cas des autres, c'est facile de soigner la Bible. Mon frère, ma sœur, longtemps, c'est difficile. Parce que dans le coin, si même, maintenant, maltraite Dieu, maintenant, tu vas être équitable, maintenant, prendre la Bible enveloppée. Mais maintenant, nous sommes capables. Longtemps, c'est difficile pour ouvrir la Bible d'un bis. Maintenant, je vous dis, au cas où ouvrir la Bible d'un bis, maintenant, que tu dis, vous voulez aussi. Les temps ont changé. Mais pas senti nous quelque part. Incapable parmi nous la Bible de l'Église. Pour moi, quand vous guettez la Bible, nous pouvons apprendre très bientôt encore, c'est la vie. Amen. C'est la même. Lisez-le tous les jours. Tout ce que vous avez besoin de lire la Bible tous les jours. Le livre de Jean 16, 13. Je vais lire, moi, lire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Je te dis, parlez. Parlez. Mais il dira, nous te disons dire, dire, tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Amen. La Bible claire, il ne parlera pas de lui-même, il dira, dire, tout ce que m'a dit le Saint-Esprit, dire. Et plusieurs épisodes nous finissons trouver, que même, tenant un moment que Paul, tu peux bizarre, et peut prier, arrive à un certain moment, que le Saint-Esprit finit de dire, mettre ça de là à part. Le Saint-Esprit, il est causé. C'est la même. Et qui m'a bien envie d'élaborer, je vous dis, tout le monde, quand vous sortez là, je me sais connaître,
qui se tenait un Dieu qui habite en haut, et l'y causait. Frères, amis, montagne. Ok. Nous pourrons dans tout ça là, tirer de partie. Première quelque chose qui m'a établi, mon vie fait tout du monde comprend, avant moi de l'avant. Dieu l'y causait dans nous la vie. Vous êtes la même? Ou déjà avant d'une place, quand m'en a pu servir un break-up et cassimé. Ou capable d'un kicken à côté de vous. Quand vous passez près là-bas, vous t'en tapez. Quand vous avez causé, est-ce que vous avez communiqué? Tout la même? Première petite chose qui m'a venu, lui, il parlait. Maintenant, nous pouvons le deuxième point. Est-ce qu'il nous contentait? Là, il est important. Et c'est ça qui dit, comprends comment servir nos oreilles spirituelles. Amen. Et ce qui m'a pris envie de cause avec Dieu, comment nous pouvons pas servir nos oreilles spirituelles? Toutes les choses dans la vie, toutes les choses dans la vie, vous pouvez apprendre. Maintenant, quand fait que moi, vous pouvez apprendre contre lui. Toutes les choses dans la vie. Quand moi, je suis petit, je ne suis pas comme moi. Aussi, pardon. Toutes les choses dans la vie, nous devons apprendre. Tiens, nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Et moi, je me suis trouvé que ça manque quelque chose élémentaire là. L'Église devait enseigner. Qui que ce soit plus petit que nous. Nous devons enseigner aux autres comment pour écouter. Amen. C'est la même. Et comment nous sommes capables d'écouter? Nous devons connaître la vie spirituelle. Nous aurons spirituel comment il était. Nous venons la Bible dans le livre de Proverbes 20, 27. Vous êtes quoi le Saint-Esprit causé? Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons comprendre que nous aurons spiritualité. Amen. Proverbes 20, 27. Je t'ai dit d'avoir un beau c'était bien. Vous êtes tranquille, vous aussi. Amen. Je vais concentrer. Amen. Et moi, je suis tranquille, je dis frère, même si je reste tranquille, je vais ouvrir la Bible. Amen. 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 20-27. Je vais dire. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au plus profond de ses entrailles. Amen. Suive-moi. La version anglaise dit clairement « The spirit of man is the candle of God ». Ce qui n'est pas compris en anglais, mais pour le dire. L'esprit de l'homme, c'est la bougie de Dieu. Tenez-moi bien, bon, vous commencez des trois petites affaires. Quand nos oreilles spirituelles trouvées, ça c'est nos oreilles physiques. L'étonne m'a quitté chose en Dieu. Vous êtes la même? Amen. Beaucoup d'entre nous, mon désir, moi-même, tenez la voix qui les voit dans ma tête pour prier. Tendez. Y arriver. Mais c'est moi, mon vie explique un petit peu plus profond. La Bible parle nous que nous, l'esprit de l'homme, lit la lumière pour bon Dieu. Lit, comment dire, elle la bougie pour bon Dieu. Et une seule petite chose qui connectait nous avec Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, au livre de Jean, chapitre 4. Dieu est. Et ceux qui adorent, ils adorent en esprit. Hein? Nous ne sommes pas capables d'un Dieu que nous aurait physique. Tenez-moi bien. Et moi, pour expliquer aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment important. À cause de ça que la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, nous visons être nés de nouveau. Je te rappelle, Nicodème, qui vient envers Jésus-Christ, il dit, moi, Seigneur, comment mon carré dans le royaume? Il dit, tu visons être né de nouveau. Là, Nicodème pose Dieu une question, Jésus-Christ, il dit, comme ça, comment moi, un grand Michel, comment moi, je suis capable d'être né de nouveau? Comment moi, je peux rentrer dans le sein de mon maman pour être né de nouveau? Là, Jésus-Christ, il dit, comme cela, des choses d'en haut, tu vas pour comprendre. Mais il explique nous, naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Amen. Tenez-moi bien. De l'eau et de l'esprit. Et il y a quelque chose qui est arrivé quand on prend baptême. Tenez-moi bien. À cause de ça, on nous donne un principe au niveau de l'Église, nous parlons de baptiser un démon sans esprit, quelque chose. Amen. Amen. Vous êtes amen? Amen. On est baptisé avec le nom. Quand il y a le nom, waouh, un démon après mon premier Dieu. Frère, comment vous connaissez ça? Parce que moi, tu fais vie. Nous apprenons avec l'expérience. Mon désir prend un van du monde rempli, full net. Rentre le tamaret, baptise tout du monde. Si je dis, moi, il a compté combien de restes, non, il va nous faire. Moi, travers. Nous vivons. Et moi, c'est un pour dire que je vais faire. Amen, 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 amen. Il y a du monde qui dit, non, il fait rien aussi.
Amen, amen, amen. D'apprendre depuis de cela. Amen, amen, amen. Mais on fait remarquer au nom de Jésus-Christ, quand on établit sa principe, qui même le gagne seul du monde, et on trouve beaucoup de monde là, de rester jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que ce larme, il en crée. Amen. Ne pas les baptiser, ne couler, ne couler, ne couler, ne couler. Non, 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 non. Ne pas faire ça, ne expliquer. Amen, amen. Maintenant, je vais trouver mon père doucement, mon père vite. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on connaît Jésus-Christ, quand on passe à travers des œufs de baptême, la Bible dit nous naît de l'esprit de l'eau qui est arrivé dans le monde spirituel. Quand on coule un dimoun en bas, il lave de tous ses péchés. Amen. Quand il remontait, c'est l'esprit connecté, c'est l'esprit qui meurt à travers du péché. C'est ce qu'on appelle born again, il renaît de nouveau. Amen. Comment un dimoun il naît de nouveau? Quand il est dans le monde sans qu'on Christ, c'est l'esprit qui meurt. Qui fait ce l'esprit du mot parce qu'il y a cause du péché et d'une séparation. Vos oreilles n'est pas trop dur pour entendre, livre d'Ésaïe 59, verset 1. Ni mon âme est trop courte pour délivrer. Mais c'est le péché qui sépare toi de moi. Quand nous dans le péché, qu'est-ce qui se passe dans une séparation? Rappelez-vous dans le jardin d'Éden qui est arrivé. Il dit l'homme pas qu'à demeurer là. Dieu dit il chasse Adam et Ève du jardin. Il met un ange pour garder. Qui fait nous pas capables de connecter avec Dieu le jour avec le péché nous connecter avec Dieu nous gagne l'amour éternel. Tellement bien. À cause ça que Dieu sépare lui-même de nous. À cause ça que Dieu fait mettre un médiateur qui appelle Jésus-Christ. Quand Dieu guette l'humanité, il pas guette l'humanité comme ça. Il guette l'humanité en Christ. Amen. Amen. Comprends-moi bien. C'est la même. Maintenant, quand mon est de nouveau qui arrive, moi qui suis mort à cause de vos péchés, quand mon coulement va de l'eau, ce n'est pas l'aspiration. L'aspiration de l'eau pour un ticket de l'eau, quand on fait que tu as besoin d'enfants dans ta pipe, il faut se bien et que on va là, ouais. On peut causer en bas. Ça, ce n'est pas le baptême. Je vous explique pourquoi ce n'est pas le baptême. Les enfants là, c'est lui qui vient prendre sa décision. Amen. Comment les enfants dans sa lase là, ils peuvent dire oui, je l'ai accepté le Seigneur? Non. Quel âge vous avez le droit d'accepter le Seigneur, c'est une décision. Si vous avez envie de faire les 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais nous prenons beaucoup en considération ça dit mon âme explique-lui. Amen. Qui était ça le baptême? Tout la même? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tenez-moi bien. Quand je coule un dimoun en bas de l'eau, je relève-lui, l'esprit qui est mort à cause du péché là, quand il lavait, quand il remontait, il connectait avec bon Dieu parce qu'il finit fait laver. Amen. Quand nous baptisons, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous remontons, tout ce péché nous coule là, dans la mer. Parle de péché dans la mer. Amen. Il finit, c'est un acte significatif. Ok? Quand il coule, il remonte, c'est l'esprit connecté avec bon Dieu. Il est born again, il naît de nouveau. Amen. Vous êtes la même? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il naît de nouveau? C'est l'esprit connecté avec bon Dieu. Dieu est esprit, mais l'esprit connecté avec Dieu, et il fait sa verset là, l'esprit de l'homme is the candle of God. L'esprit de l'homme, c'est la lumière de Dieu. Je donne Dieu, pas par mes oreilles physiques, ni par ma chair, ni par ma âme. Je donne Dieu par mon esprit. Amen. Bon, quand fait moi clair là. Ok. Nouvelle de la Bible dans le livre de Jean 7, verset 38 à 40. Dis à sa verset là pour une réelle pour moi aujourd'hui. Vous êtes connu qui fait parce que moi aussi, quand je lis, il me dit waouh! Je fais quoi pour comme tout? Moi aussi, je peux encore prendre avec ça. Amen, 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 amen. Jean 7, le verset 38 à 40. Amen. Nous avons lancé l'épisode pour comprendre quand nous aurons spiritualité. C'est la même. Nous connaissons aujourd'hui que le Saint-Esprit causé. Tu sais comment dire le Saint-Esprit est causé. Amen. Mon cas donne plusieurs évidences. Moi-même, mon vie, beaucoup de fois, m'entendais. Beaucoup de fois, même dans la case, que moi, me rappelle un épisode que. Et mon cause pour une circonstance qui est arrivée, que déjà tu fais que
Il saute l'eau Lili, il finit maïli dans le drap, il enveloppe Lili, il finit rentrer en bas Lili. Elle n'a pas de cause faux dans son rêve, madame, j'ai dit comme ça, allez, allez vite. Quand on galope en bas les enfants, on prend un petit guide, tu vas arriver quelque chose. Dieu cause. Amen. Moi-même, mon expérience, beaucoup quelque chose avec Dieu. Peut-être la même. Seulement, nous vous connaît qu'on m'attendait. C'est ça le problème. Qu'on m'attendait. Et même, nous ne pouvons pas nous dire. Le livre de Jean, chapitre 7, de verset 38 à 40. Amen. Celui qui croit en moi, Jésus-Christ dit, des fleuves de vie couleront de son sein. La version anglaise is from the belly. Nous tout dire, belly, nous ventre. Viens ventre. Pas qu'un tracas, juste ventre, viens ventre. Pas qu'un tracas, pas qu'un tracas. Amen. La version anglaise de son ventre. Comme dit l'Écriture, il dit cela, donne-moi bien, il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus-Christ, il dit, une source d'eau vive pour couler depuis de nous ventre. Amen. Il finit de dire ça parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Quand l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu parce que Jésus-Christ n'a pas encore été glorifié. Frère, qui vous peut redire? Suivez-moi. Beaucoup de monde fait ça erreur là. Moi, d'où Dieu de tout mon équerre. Maintenant, pense à l'équerre qui répond ça, disant. Donne-moi bien, suivez-moi, vous pouvez expliquer ça. Ça, c'est où l'équerre physique. Vous êtes la même? Combien qui gagne, donne-moi bien, hein, suis-moi tout doucement, on parle tout doucement. Là. Combien qui gagne, ou Michel soit ou madame des gens blessés? Cause quoi? Ou senti douler là, pas là? Quand tu senti douler là? Beaucoup de gens me disent, je senti mon ventre, mes vies. Suis-moi. C'est pas une doctrine ça. Hein? C'est pas une doctrine ça. Suis-moi, mon esprit. Mais quelqu'un qui habitait dans le don de la prophétie, beaucoup de fois, je te sentais une affaire, tu es au milieu là. Quand quelqu'un fait l'expérience avec Jésus-Christ pour être rempli du Saint-Esprit, le premier jour quand vous êtes rempli le baptême du Saint-Esprit, vous sentiez une affaire, montez depuis là. Suivez. Qui était ça le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, ce n'est pas ça l'équerre. Ça, c'est un équerre physique qui pompe 10 ans. Le cœur de l'homme, c'est la place qui joigne nous l'écho, nous l'âme et nous l'esprit. Les connecter. Donne-moi bien maintenant, mon parle tout doucement. Le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit, la parole de Dieu dit qu'on mène l'épée à double tranchant. Séparant l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. L'os et la moelle, c'est un qui qu'elle connaît. L'os et la moelle, c'est une affaire difficile pour séparer. Il faut dire écouter une vraie fité, c'est une affaire quasiment impossible. Mais il dit, la parole de Dieu dit, sépare l'os et la moelle. L'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit tellement connectés. Pour prendre un exemple. Où l'âme, où le corps et où l'esprit sont tellement connectés, quand on a une douleur à la tête, on n'est pas capable de prier. Suivez-moi. Un qui a des gens qui ont une douleur à la tête, peut lever un matin. Pas capable de prier. Si un démon a une blessure, physiquement, c'est correct. Mais qui fait qu'on n'est pas capable de prier? Il est tellement connecté. Si vous l'esprit malade, ça reflète le visage. Amen. Comment se fait-il? Lui montrer l'union, on déjà explique ça. Le corps physique, c'est ce que je peux trouver. Ni qu'on t'a mangé, ni qu'on t'a habillé. Ça, c'est le corps physique que je peux trouver devant. Comme ça, boire de l'eau, nourrir, prendre soin. Nous, l'âme, lui contenir mon émotion, mon mémoire, mon moi chichique, tout mon monde affaire, lui contenir. Ça, c'est mon âme. Amen. Et moi, non, mon esprit. Mon esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est ça même qui connectait moi avec mon Dieu. Tout à même. Mon papou connaît Dieu à travers mon écho physique. C'est ça que la religion enseigne. Bon, on se casse pas de vous trouver mon Dieu. Nous papou connaît Dieu comme ça. Nous papou connaît mon Dieu avec l'émotion. Vous êtes prêts pour cela? Beaucoup de monde pensait Dieu dans la présence de Dieu quand vous commencez à sentir un affaire commence à guili-guili aux autres. C'est faux. Nous papou connaît Dieu pour nous l'émotion. Nous vous connaissons Dieu par l'esprit. Amen. Vous avez suivi moi là? Amen. Nous vous connaissons Dieu par l'esprit. À cause ça, vous passez un message à tout le monde. Quand vous rentrez dans la présence de mon Dieu, même pour ne pas sentir goosebump, continuez de prier. Amen. Parce que vous ne pouvez pas connaître mon Dieu à travers l'émotion. Amen. Beaucoup de gens pensent que je recevoir le Saint-Esprit quand je pleurais. Pleurer, c'est une petite chose qui
Mon esprit tellement rempli du Saint-Esprit dit, touche aussi mon émotion. Mais moi, pas pour que Dieu, pas ça veut dire que je ne pas ces personnes pour pleurer. Comprends-moi que je veux dire. Hein? Tellement de fois, moi, pour dire cette fois, moi, beaucoup de fois, vous pleurez dans, l'adoration. Amen, amen. Parce qu'il m'a fait louer à deux mon bon Dieu, le Seigneur, tout ce que vous voulez. Base, je vais comprendre, je vais mettre une base, vous êtes tout cas comprendre moi, là. Je vais suivre moi. Amen. Mais moi, pas pour capable que Dieu, moi, pas pour capable que Dieu, avec mon émotion, c'est pas mon esprit. Amen. Vous êtes amen. Maintenant, c'est qu'il m'a pour dire à autres maintenant. Le centre de mon vie, je vous donne, je vous aurai spirituel, les pas vous donne ici. C'est beaucoup de monde qui dit ça, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Seigneur, mon vie, donne-toi. Je caresse et n'y attends, je vous donne. Parce que je vous aurai, c'est pas là. Pas donne avec ça. C'est qui? Je prie pour ça. Amen. Vous priez, vous gardez-moi calme. Et la voix qui peut sortir au-dedans de moi. Amen. Ça lui fait la différence. Amen. Vous comprenez moi? Vous prenez l'exemple. Vous prenez l'exemple. Moi, je prends un courrier, je prends un courrier, je trouve un gros zéro mot de la table basse. Je tiens pour prendre, je me mets dans le temps, je prends la case. La voix là, quand tu sortis, tu n'as pas fait ça. Cause à moi. Au plus profond. Je vais passer un moment dans la louange, adoration. Arrive un certain moment, elle la voit sortir de ta pardonne-lui. Quand tu sortis, au profond de vous-même. Si mon cas dit d'un plus contexte mauricien, d'un fond de où l'entraille. Amen. Au dedans de vous-même, à l'intérieur de vous-même. The spirit of man, the candle of God. L'esprit de l'homme, c'est ça même qui connectait nous avec Dieu. Amen. Vous êtes la même? Vous êtes la même? Amen. Amen. Je vais prendre l'autre exemple. Ça, tu arrives, moi, ça. Moi, je fais rouler van. Bien longtemps. Moi, je suis encore policier, moi, je fais rouler van. Arrive un certain moment, je finis de faire la montée, une petite chose au-dedans de moi, tu vois, pèse frein, un vin. Je ne connais pas qui fait mon pèse frein. Un enfant qui traverse devant bis. Encore un petit vide, moi, je connais pas. Moi, tu vois. Quand tu sors, tu ça. Au plus profond. Amen. Je peux comprendre moi? Combien c'est elle? Beaucoup de gens peuvent dire moi. Combien fois je ne tenais la voix, je ne mets la voix d'un côté. Vous êtes trop tendre. Vous aurez spirituel, c'est pas là. Ça vous aurez physique. Ou l'équerre, c'est pas là. Ou l'équerre, c'est là. Qui connectait ou l'âme, ou l'équerre, et ou l'âme, ou les corps, et ou l'esprit. Amen. C'est la même. Manzénez, quand quelqu'un blesse ta yo, mon équerre fait mal à l'équerre, la paix mal, disons, parce que c'est douleur là. Mais nous avons fait quoi un sou là? Amen, amen. Vous êtes connectés, ça dit l'angoisse. Ah, les causes, franc. Quand l'angoisse, ça. Eh, allez, cause-moi. Quand l'angoisse, ça sortit. C'est un qui appelle l'angoisse, mon Richard. Mon ventre, moi je m'attends à faire des virées. Vous avez commencé à faire des virées. Amen, 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 amen. Si vous prenez la vérité va franchir. Amen, amen, amen. Portez attention à chaque instant, à chaque moment. Portez attention. Tout à même. Amen, amen. Il vous sortit au plus profond. Mon cas continue. Comment servir aux oreilles spirituelles là maintenant, donne-moi bien. Donne-moi bien, donne-moi bien, donne-moi bien. Le livre de Somme. Moment, c'est une lettre. Amen. Ah, le Somme 46, verset 10. 46, verset 10. 5 minutes pour terminer. 5 minutes. On coupe mon message en deux. Somme 46, verset 10. Amen. Verset 11, la version anglaise c'est 10, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La version anglaise, be still and know that I am God. Reste tranquille, tout ce qu'on va dire, reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Vous êtes la même? Maintenant, donne-moi bien.
Beaucoup d'entre nous, ça boute là qui nous pas connaît là. Nous tellement galoupé trop beaucoup de tapas. À cause ça qui est beau, vous êtes prêts pour ce secret? Amen. Jésus réveilla tôt le matin. Pourquoi? Jésus passa toute une nuit en prière. Vous êtes là même? Pourquoi? Qui fait? La Bible dit, nous be still and know what he is God. Reste tranquille et connais qui lit qui bon Dieu. Reste tranquille, c'est quoi? God ou calme. Amen. Amène-nous à port. Et dans le moment qui vous attend de Dieu, bon, vous pouvez dire, je t'ai fait. Vous pouvez être franc avec Dieu. Beaucoup de gens pensent que Dieu n'a pas causé. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est extra pas fort. Amen. Mais seulement, nous ne pouvons pas se côté un breaker. Qui devait dire, hein? Cause fort, moi, fais-t'en toi. Sorti côté un breaker là. Amen, amen. Au fait, nous, la vie, tous les jours, nous pouvons se côté un breaker. Fabien, comment on dit cause en haut? Ah, il y a. Le fait, c'est qu'il nous parle de l'étang pour écouter. Nous tellement embobinés et que nous la vie tous les jours. Travail, la case, travail, la case, bébé, doudou, doudou, bébé, la case, travail, la case, bébé, doudou, métro, la case, bébé, métro, la case. La vie tellement nous pardonne les temps au terminer deux minutes. Je coupe mon message là, moitié, pas fait mal. Nous parlons de comprendre la voix du Saint-Esprit l'autre semaine. Mais aujourd'hui, mon vie, Jésus t'a fait. Mon vie parle de quelque chose avec Dieu. Dieu est extrapolé. Amen. Nous tous nous sommes portables. Arrivé à nous rendre dans le caroucan. Allô, 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 nous perdons le réseau. Tant que ton réseau est bon, tu peux t'en aller. Maintenant, mon bout de Jésus, tu as fait. Vous êtes dans le caroucan spirituel. Vous êtes loin, trop loin de Dieu. À cause de ça, vous criez, de là, de là, de là, qu'est-ce que tu as dit? Amen. Amen, amen. Beaucoup fois arrive ça, vous criez la carte. Déjà, je dis, je n'ai pas tort de notre ensemble. Vous galopez, oui, papa, galopez, vini pour t'en. Si tu continues dans la salle, hein? Hein? Non, non, vine là. Vine là. Amen, amen. Vine là, moi, il n'y a pas de cause à toi. Vine amen, là. Amen, amen, amen. Costir avec Dieu. Amen. T'as envie t'endé, t'as envie faire expérience avec Dieu. T'as envie d'être sur la voie, t'as envie de lève-toi dans le matin. T'as envie de vivre réel pour toi, tu veux me lancer le chemin. Hé, pas penser à bicher, attends. Qui fait? Attends. Quand finir dans sa bicher, après, tu m'as trouvé, on a devant bicher, faire tu viens de virer. Waouh, super. Amen, amen, amen. Tout ce que tu as dit, arrête, reste côté de break. Amen. Décalze. Amen. Sorti. Et on met un to be continued semaine prochaine. Amen. Vous voulez prendre des temps, je vais trouver, vous voulez vraiment assurer tout quelque chose. Comprends. Vous êtes la même? Et je vous dis, tu te mets. Dis-moi, bon Dieu cause beaucoup. Je te connais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Comment te cas dire Dieu habite en toi? Il n'y pas attendu. Au fait, non, il peut causer, c'est toi. Il n'y pas attendu. Et je termine sur cela. Le Saint-Esprit, il y a une personne douce. Amen. Quand il est douce, pas expect de causer. Hey, les vérandins! Non, 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 il y a un gentleman. Mais. Donc là, si tu veux t'enlever le matin, avant toi, à dominer, pas oublier. Le matin, les bonheurs. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Si mon cas classifié, il me connaît, il peut faire mes points pour me dire, ah, il peut compter comme me dire. Il y a un chéri doux. Amen, amen. Un chéri doux. Amen, amen. Rempli d'amour. Amen. Gâte-le. Quoi, maman, mon père, Jésus. Gâte-le.
quand tu pour gâter, tu vas au pied. Amen. Amen. Hey, est-ce qu'il y a quand même de vous? Amen. Amen. Amen.